Le journal de 7h, c'est avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Théo, bonjour à tous. La sécurité de l'État est-elle assurée quand ses plus hauts dirigeants sont espionnés? C'est la question qui se pose ce matin sur Europe 1. Oui, le monde politique secoué en France, Emmanuel Macron aurait donc été surveillé par le Maroc en 2019 via le fameux logiciel Pegasus, tout comme 14 ministres. Cette affaire pose la question de la faiblesse des dispositifs de protection. On va se pencher avec Louis Dragnel sur la situation particulière du chef de l'État dans un instant. Mais avant cela, on écoute la réaction du député Les Républicains, Éric Ciotti. Si cela est confirmé, cela pose naturellement un problème de sécurité nationale majeur. Que le président de la République, que les principaux ministres puissent être surveillés sans que l'on s'en aperçoive, c'est assez inquiétant et ça nous invite aussi à revisiter, à rehausser nos dispositifs de protection. Donc ça veut dire aujourd'hui que nos dispositifs de protection, de sécurité des plus hauts responsables de l'État sont défaillants et cela est particulièrement préoccupant et cela doit aussi amener à mieux nous protéger. Le député Éric Ciotti au micro de Claudia Bertram. Et c'est vrai que cela interroge. Louis Dragnel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1, bonjour. Bonjour Léanique, bonjour à tous. Le téléphone d'un président de la République espionné, si c'est avéré, c'est pour le moins inquiétant. Les conseillers du président respectent assez peu, on le sait, les consignes de prudence qui sont émises pourtant par les services de renseignement. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de négligence? En fait, ça dépend et c'est toujours une question très compliquée, surtout avec des ministres, un président et leurs conseillers, qui à l'exception des fonctionnaires de l'intérieur ou des militaires de la défense, viennent souvent d'univers pas du tout sensibilisés au risque de l'espionnage ou encore du tamponnage par une puissance étrangère. On se dit toujours que personne n'oserait s'en prendre au président et aussi quel pays pourrait s'intéresser à mes conversations, explique ainsi un collaborateur d'Emmanuel Macron. Je peux même vous dire qu'au début du quinquennat, les jeunes conseillers du chef de l'État ne voulaient pas entendre parler des téléphones portables cryptés Théorème. Selon eux, impossible de joindre quelqu'un qui n'a pas le même téléphone, pas pratique du tout, peu maniable et fonctionnant mal. Autre système qui n'a pas vraiment convaincu tous les conseillers, les lignes fixes Osiris ou encore l'application de l'Elysée permettant de crypter l'ensemble des conversations et des messages. Un système efficace, mais le problème c'est que la sécurité s'oppose souvent à la maniabilité, puisque les téléphones de l'Elysée ne permettent pas par exemple de télécharger WhatsApp ou encore Telegram pour des raisons évidentes de sécurité. Louis, le confinement a par ailleurs allégé les protocoles de sécurité. Bien oui, parce qu'avec le télétravail, en fait, les protocoles stricts pour la transmission de documents classifiés ont été assouplis dans les faits et beaucoup de hauts fonctionnaires s'échangeaient des données très sensibles via Telegram par exemple. Pour terminer, il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron s'est montré de plus en plus sensible à ces questions et désormais, quand il s'agit d'évoquer les sujets de la défense nationale, il ne prend aucun risque, quitte à ce que ce soit beaucoup plus lourd et beaucoup plus contraignant. Merci à Louis Dragnel pour ces précisions.